Yo les copains, allez, partie 2 de ce petit vlog ici à Goncoutainville, parcours très très abîmé, période de sécheresse et en plus voilà des problèmes d'une petite algue qui s'est développée dans les réseaux, donc du coup pas possibilité d'arroser et après période de sécheresse, les restrictions sont là, donc les greenkeepers, les jardiniers font leur maximum ici, gros big up à eux, c'est pas facile, ça doit faire mal au cœur de voir son parcours dans cet état. Mais voilà, c'est un parcours links, il y a beaucoup de vent, c'est compliqué, je suis complètement à la rue, je suis un peu perdu, j'ai pas de repères, c'est compliqué, voilà, on n'est pas forcément là aujourd'hui pour scorer, mais essayer de prendre du plaisir et découvrir ce que ça peut être le golf avec des conditions comme ça. Écoutez, j'espère que ça vous plaira quand même. Bon visionnage, petit like et petit abonnement pour donner la force. Et puis ben, on y va, c'est parti, départ du 10. Ciao. Complicado! J'ai reçu une balle à 3 mètres de moi, j'ai pas disjoncté, je crois que c'était les mecs d'après. En fait, c'est quelqu'un qui a complètement slicé qui était dans notre trou. Allez, on y va, on continue. C'est compliqué, mais on s'accroche, on s'accroche. Départ du 11, par 4, 371 mètres. Putain, mais c'est l'enfer, j'ai pas 2 secondes pour vous parler sans vent. Quoi. Bon petit drive, c'est cool. Elle a avancé pas beaucoup, hein. Il y a toujours problème de vent de toute manière. Mais elle est là, elle est pleine piste, donc allez. Il reste 190 mètres, on va sortir un coup de bois 5. Gros vent latéral, de face à moitié, enfin c'est très compliqué, très compliqué. Mais j'aime ça. C'est incroyable, ça n'avance pas. Allez, on y va au 52 les amis. Un peu de mal à rentrer dans la partie, le vent qui me... Je crois que j'avais entendu sur un live de Rina, même Flo aussi me l'avait dit, conseil de jouer avec un bandeau ou un bonnet quand il y a énormément de vent comme ça, pour protéger les oreilles. Au bout d'un moment, ça perturbe l'équilibre. Enfin, je sais pas trop, mais il me semble qu'il y a un truc comme ça. De l'oreille interne, tout ça, le vent, au bout d'un moment, ça rend fou. Quoi. Et puis, je suis vraiment déstabilisé complet par ce parcours et ces conditions. Donc, bon, ça va être très compliqué. Le moindre part aujourd'hui me met en joie. Je suis à deux doigts de sortir ce que vous savez pour chaque part. La fiole. Allez. Non, je lis pas les greens, je m'aligne mal, non. Je suis un peu dans le dur. Allez, hop là. Trou 12. Bon allez, profite de cette petite accalmie, un petit chemin là, au milieu des bois, sympathique. Hop, regardez ça. Il y a de l'eau. Incroyable, il y a de l'eau. On se demandait si ça existait encore dans ce pays. On voit bien de toute manière, vu la végétation ici, bien luxuriante, on sent qu'elle est dans un coin un peu plus humide. Je sais pas où on va, mais on y va. Wow. Normal ça? Bon, écoutez, peut-être que je m'égare, je sais pas. Ah ouais, Nexty, c'est ça, non, c'est bon. C'est le chemin normal, bon.
où est-ce que ce petit chemin va nous mener? Serait-ce un petit sursaut pour la carte? Un petit moment de répit, cette nouvelle partie du parcours. Oh là là, propriété privée, accès interdit. Donc c'est pas là ou c'est là, putain. Oh, c'est compliqué, hein. Oh là là. Nexty, c'est ici. Ça y est. Nous y voilà. Ah. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Le trou 12. Un par 4 de 323 mètres. Sympathique. Cette petite arrivée ici. Effectivement, c'est un parcours qui doit être mais sublime. Lorsqu'il est bien vert et tout, c'est extraordinaire. Allez, c'est parti, trou 12. Par 4, 325 mètres, dogue du droit. Alors c'est trompeur parce que là ici, vous avez vu, on est comme dans une petite, petite niche à l'abri du vent. Et j'ai fait l'erreur de ne pas regarder la cime des arbres. Il y avait un gros vent gauche-droite. Là-bas, elle est partie plutôt droite et arrivée au-dessus de la cime des arbres. Pff, virage tout à droite. Donc, je suis tombé, il y a une espèce de gros sol pleureur là-bas. J'ai l'impression que je suis tombé dessous. On va voir. Bon, effectivement, voilà, je suis sous le sol. On a le green qui est parfaitement ici, le drapeau est derrière cette zone-là. Donc on va y aller avec une balle basse et on verra là-bas. Bon, pour le coup, elle était basse. Bon, elle a bien avancé, mais bon, c'était pas terrible comme contact, mais bon, ça a fait le job. On est en jeu, on n'aura pas le bunker en jeu pour le troisième shot. C'est pas si mal fait parce qu'en fait, je pense que si je la pitch plus court, je suis vraiment en montée à la réception dans une butte, donc elle risque de s'arrêter net. Là j'ai pitché juste sur le sommet de la butte, sur la fin du pré-green. Mais dès qu'elle est arrivée sur le green, elle a dégueulé, elle a filé quoi. Donc il va rester quand même un bon putt de moins 5-6 mètres je pense. Bon, ben voilà. Quand un joli putt avec le plateau à redescendre, direction du trou, il va falloir doser très très fin encore. Oh, oh qu'est-ce que c'est dur. Nickel ça. Si on fait le toto drive, recentrage balle basse, approche et deux putts, ça fait 5, c'est encore un bogey. Très jolie cette petite arrivée dans la zone ici, vraiment sympa. Allez, départ du 13. Un très joli par 3, regardez ce petit écrin. Regardez si c'est mignon. Alors 130 mètres, bunker qui défend bien l'entrée de green. Superbe parcours en tout cas. Qui n'est pas à son avantage malheureusement aujourd'hui, mais on devine le potentiel de ce parcours. Allez, on y va pour ce trou 13, par coin, 130 mètres au milieu, faire 8. Moi si je ne vais pas me faire avoir, la cime des arbres nous montre qu'en hauteur il y a énormément de vent droite-gauche. Donc, on va se méfier. Bon, elle est un peu longue, mes amis, c'est pour ce genre de shot qu'on revient au golf, même après avoir pris tarif. Super contact, la balle est très bien montée, alignée à droite comme je l'avais imaginé, pour vouloir pouvoir contrer ce gros vent droite gauche qui est au-dessus des cimes. Vous voyez, là je vous parle, il n'y a pas de vent. Oh, je l'ai vu, elle est partie 10 mètres, vraiment bord extrême de green à droite, et arrivée au-dessus des arbres, le vent l'a ramenée, elle est retombée droit au mât. Je pense qu'elle est un peu longue parce que du coup, effectivement, même si c'est un vent latéral, une fois qu'elle le chope, elle avance, mais qu'elle kiffe. Bon, il y a un long putt, hein. Mais ouais, j'étais vraiment droit au mât. J'étais droit au mât avec la bonne canne, ça aurait été un planté de drapeau. Allez, on va découvrir ça, ça fait plaisir. Hop, droit au mât, la balle était droit au mât.
Et d'ailleurs, elle pitch à peine un mètre au mât. Donc je pense que avec des greens pas secs et en conditions un peu plus classiques, j'ai envie de dire, je pense qu'on peut appeler ça un plantage de mât. Mon pitch est là. Donc c'était vraiment propre comme shot. Malheureusement, je me laisse encore un putt d'une difficulté, les amis. Donc en gros, elle descend avec une... Bon, c'est en pente générale, avec une petite cuvette au milieu. Ça remonte, mais c'est quand même plus bas que le niveau de départ. Donc c'est une pente générale. Et elle s'échappe gauche-droite sur la fin. Donc tout va être encore dans le dosage pour éviter que la balle finisse au pied de la caméra. Parce que là, c'est encore un putt extrêmement compliqué. C'est vraiment un parcours technique, hein. Je pense que bon, là dans les conditions où il est en ce moment, forcément avec le vent, la sécheresse, tout ça, il est d'autant plus technique. Mais je pense que même d'une manière générale, le reste de l'année, ça reste un parcours vraiment technique. Allez, on s'applique. Oh, c'est bien putté, hein. C'est vraiment bien putté, je suis content. Mais malgré tout, ça fera pas le birdie, mais ça fera le joli par. Ça fait plaisir. Hop là. Allez, je vais vite fait vous montrer cette petite maisonnette. Ah d'accord, c'est eux qui ont fait la rénovation de cette petite maisonnette. Mais regardez-moi ça si c'est pas trop mignon. Voilà. Un petit abri en cas d'orage, voilà, petit coin repos, trop mignon. Allez, on va en direction du trou 14, petit par sur ce trou 13 qui fait plaisir, hein. Franchement, c'est, comme je vous l'ai dit, les conditions sont vraiment dures, enfin, en tout cas, quand on n'a pas l'habitude de jouer dans ces conditions, du coup, chaque par, c'est vraiment une petite victoire, surtout sur un par 3. Pas forcément, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, regardez ça, hop là. Donc voilà la mise en jeu du trou 14 qui va forcément un doglé droite gauche à l'équerre, mais c'est vraiment mignon. Ouais, je comprends le responsable que j'ai croisé qui me dit ah c'est quand même dommage, faudra bien préciser qu'on n'est pas dans cet état là normalement et tout. J'ai dit oui, vous inquiétez pas, on va le préciser. Mais je comprends, ouais, parce que les mecs font un super boulot, sûrement ils se butent toute l'année. Et... ah voilà. Et... il y a un vlogueur qui arrive et manque de bol, c'est sur la période où il est grillé quoi. Mais bon, je vois un lac là-bas, ça va être le trou d'après. Donc ouais, très beau parcours, c'est sûr que... je comprends la frustration des équipes terrain qui se butent toute l'année seulement pour faire un boulot monstre. Et là, ils ont eu une grosse galère, une espèce d'algue qui s'est foutue dans le système d'arrosage et qui, en à peine 10 minutes d'arrosage, obstrue complètement les bouches. Ils sont obligés de toutes les démonter une à une pour les nettoyer, enlever ces algues. Et du coup, ça, c'est arrivé juste avant la période de sécheresse. Donc déjà, avant la période de sécheresse, ils étaient en galère d'eau, je pense. Et avec la période de sécheresse, les restrictions, bah là, ça a fini le taf. Hein. Ils en sont à arroser manuellement chaque green. Les départs, bah, on voit bien que les départs, malgré que les restrictions permettent quand même d'arroser et les départs et les greens, bah, on voit bien que les départs ne sont plus arrosés ou très peu. Forcément, voilà quoi. Il faut privilégier les greens. Et quand les mecs doivent tout faire à la main, donc ouais. Force à vous, amis Greenkeeper et équipe terrain. Merci pour vos boulots à l'année. Allez, on y va, nous, c'est parti. Par 4, 272 mètres. Doglet droite-gauche à l'équerre. À l'équerre, ça va le faire. Allez, on y va pour ce par 4, 249 mètres. Gros vent dans la fif. Donc attention au slice. Je ne vais pas forcément le drive parce que
de balles pas hyper bien contactées, mais la première avec le slice et le vent a dégagé à droite là-bas au fond dans les arbres. Et la deuxième, balle basse, slicée aussi. Elle est quasiment aussi sortie du fairway au fond, parce que trop longue. Donc c'était peut-être pas le drive là-dessus pour le coup. Dommage. Oh, il y en a un chevreuil qui est arrivé. Ah ouais. Une petite doublette de petits chevreuils qui sont arrivés juste après mon passage. Bon, on va voir ces drives qu'on finit un peu dans les bois. On va jouer à l'ombre, tranquille, ça fait du bien. Alors maintenant on sent qu'on est passé vraiment sur un autre type de parcours qui a l'air d'être vraiment plus forêt, du coup un petit peu plus abrité du vent. Ouais, deux parcours vraiment différents, un petit type bois, un petit type links, très type links, donc c'est plutôt sympathique. Bon, ça va, finalement la première n'était pas rentrée dans les bois complètement, la deuxième était bien plus courte, mais j'ai quand même été au bout du fairway, donc c'était vraiment pas le driver. Du coup je suis bloqué là, le green est là-bas, je pense que vous avez vu. Et entre moi et là-bas, même si j'avais l'envie de tenter, il y a un bunker, donc on va plutôt se recentrer à gauche. Petit recentrage. Allez, il reste 70 mètres au drapeau à peu près, on va y aller au 56 degrés. C'est bien trop à gauche, mais je pense que mon distance c'était pas mal. Bon, on est sur le green, effectivement c'était un peu à gauche et un peu long quand même finalement. Encore un bon putt en descente, hein, toujours, hein, c'est plat sur une bonne partie, légère montée et redescente au trou. Alors là, avec les ombres qui bougent, j'ai du mal à lire. Je dirais que j'ai un petit gauche droite et ça finit en droite gauche, je vais la jouer au mât. Allez, redescends maintenant. Allez. Ah, j'ai loupé la petite pente. Il y avait un petit droit de gauche à partir de là, mais là, il n'y avait plus. Allez, trou 15, par 5, 480 mètres. Alors cette fois-ci, là, on le sent pas une nouvelle fois, mais on voit un signe des arbres que ça souffle pas mal en haut. Je dirais que ça souffle... trois quarts arrière, gauche droite, donc bon, ce serait bien de ne pas faire une balle slicée parce que sinon on va vraiment finir dans les châchis à droite. Allez, il reste encore 272 mètres, on voit toujours pas le green. Donc on va y aller dans la petite trouée là-bas, on va essayer gentiment. Un élément que je n'avais pas vu avant, et là je viens de voir en regardant ma balle, il y a peut-être un bunker au bout de ce petit doglet, bien évidemment. Alors, on pourrait croire que l'archi a mis le bunker pour bien nous faire chier, mais non, évidemment, il pense à nous, il met ça au bout du doglet. Pour ceux qui sont trop longs, ils vont dans le bunker et ils perdent pas leur balle. Ça, c'est les paroles de Rina. Mais oui, je pense que c'est ça. Bon, c'est un bunker de pré-green, on va dire. Oh, mais c'est très joli, ça. Petite surprise ici en arrivant. Bap, la petite fontaine qui va bien. Bon, effectivement, je suis bunker, c'est dommage, là, j'aurais aimé qu'elle prenne un petit peu son slice habituel. Bon, il n'est pas sorti. Voilà, c'est pas grave. Ça doit être magnifique. Vraiment, ce parcours, je pense qu'il est somptueux à jouer en période normale, on va dire, pas de sécheresse. Allez, sortie de bunker, pas de surprise. J'y suis. Let's go. Choper l'autre bunker. Elle a chopé juste la lèvre au-dessus du bunker, elle aurait pu partir vers la gauche. Ça aurait été sympa, elle est partie à droite, dommage. Mais c'était quand même pas un mauvais shot. Allez.
auto-analyse de cette mauvaise sortie de bunker. Je m'en suis rendu compte tout de suite, j'y ai pensé, mais immédiatement. Parce que Rina m'avait déjà fait la réflexion. J'ai regardé, je me suis concentré uniquement sur le drapeau. Et pas sur l'endroit où je voulais que la balle tombe. Ah, elle est bien tombée, hein, à hauteur de main. Et elle a fini dans l'autre bunker, de l'autre côté. Croyez-vous, croyez-le ou pas. Dans le cul, Lulu. Bon, bah, on recommence. Bon, on va essayer de ne pas faire deux fois la même connerie. Cette fois-ci, je vais me concentrer sur la zone où je veux que la balle tombe. Alors, petit problème sur l'alignement, peut-être, et la gestion de la direction de la balle, mais en attendant, la zone où je voulais qu'elle tombe, elle est tombée. Bon, effectivement, maintenant que j'arrive là sur le green, je vois bien qu'il y avait un gros droite-gauche, un gros gauche-droite à la réception. Mais on a une balle qui est parfaitement hauteur drapeau. Et oui, comme quoi, quand on se concentre sur la bonne cible, c'est beaucoup mieux. Allez, on va essayer d'aller sauver. Je sais plus s'il y a grand chose à sauver, mais. Un double. Je vous amène en direction du trou 16 après ce vilain double. Hop là. C'est quand même du sport le vlog avec tout ce bordel de caméra. Mais bon, on aime ça, c'est cool. Bon les amis, je sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu compliqué le jeu. Bon, je suis pas très bien à la balle non plus aujourd'hui, hein. Je suis pas forcément dans un très bon jour golfique. Un peu de mal à trouver mes sensations, surtout au niveau du putting, c'est un peu compliqué. Mais wow, sympa ce petit départ en plateau comme ça. Ce petit chemin dessous. Ouais, ça joue pas de fou quoi, mais bon. Allez. En trou 16. Comme type par 3, 140 mètres, sympathique. Au-dessus des châssis. Vraiment joli avec les. Petit départ ici en plateau et à zone marécageuse en temps normal j'imagine. Allez, on va essayer de mettre un petit fer 7 tranquille. C'est pas possible. Je suis arrivé complètement derrière le green, je vais en mettre une, mais là, à mon avis, il y a encore un problème avec les distances de club. Bon, effectivement, bien que j'avais peut-être pris un club de trop, je me suis surtout fait surprendre par le vent. Ça a été ça le problème. Effectivement, là, j'ai fait 170 mètres. Bien. C'est surtout un peu plus à gauche, mais sinon c'était pas si mal. Hein. Ah voilà qui fait plaisir. Un bon petit par. Je suis pas encore convaincu que vous ayez vu grand chose. Après oui, si peut-être parce que c'est quand même du grand angle là-dessus, donc je pense que j'étais quand même dans le champ. Bon, j'arrive à la fin de la batterie. On est au trou 17. Regardez, tac, un joli par 4, 286 mètres. Cette fois-ci, on a le vent dans le dos. J'ai l'impression que ça va être une des premières fois en dehors des par 3 où on a le vent dans le dos. Donc, gros vent dans le dos. Le fairway, hop là. Là pour vous, le fairway derrière ce gros bosquet d'arbres, là, ça fait un. Il faut jouer ici et ça part en doglé gauche derrière. Allez, au boulot. La première ligne était un peu
peu agressif. Je pense qu'il fallait être capable de faire 300 mètres pour passer. Bon, c'est pas grave. Là, c'est que ça a l'air d'être du gros ref au milieu de ces arbres, donc ça va peut-être compliqué de la retrouver. On va voir. Bon, la première est là. On les cherche. En fait, le drapeau est derrière l'arbre de gauche. Ah, de nouveau, petite balle basse au percet. Allez, c'est normal. Allez, 18e et dernier trou. C'est ça, par 4, 315 mètres. Bah écoutez, tout droit. Pour le coup, pas de suspense. On y va tout droit. Bon, c'est pas mal, mais c'est vrai que avec la fatigue, je retombe un peu dans mes travers. Donc ces drives qui partent à gauche, qui reviennent avec le slice sur la piste. Allez, next. Allez, à 70 mètres au milieu de green, le drapeau a l'air trois quarts fond. 56. C'est boité en direct, c'est Eagle, c'est Eagle. Bon bah alors là les gars, énorme, 56, 72 mètres, c'est ça, 76 mètres. Allez, je vous montre, petit pitch, bon ouais, à peine, hein, c'est tellement dur. Et je l'ai vu, elle est venue mourir gentiment. Gentiment, gentiment, gentiment. Eh ben écoutez, ça fait plaisir, c'est mon premier eagle en partie. J'ai fait un eagle la dernière fois avec mon trou en un abattu mais qui n'était pas filmé. Là, celui-là, il est filmé. Ça fait plaisir, putain, pour clôturer une partie qui a été très très dure. Oh, eagle quoi, j'y crois pas quoi. Incroyable. Du coup ça me fait redescendre ma carte à plus 16. Écoute, c'est pas si mal finalement. Du coup. Ah c'est énorme, putain eagle. J'espère que en zoomant bien sur la cam on arrivera à voir quelque chose. Ah dingue ce 56, je l'ai senti tout de suite. Elle était parfaite. Elle a pris le vent juste ce qu'il fallait. Je savais que j'allais de court mais le vent soufflait. Ça a poussé juste ce qu'il faut. Et puis bon, après, bah, la réussite d'avoir le green qui penche légèrement vers le trou. Et de loin, on voyait que la balle se dirigeait vers le trou. Mais c'est vrai qu'avec l'effet d'optique, on ne sait jamais. Et d'un seul coup, plop, c'est le miracle. Elle disparaît de l'image. Yes, les amis. Ça me fait super plaisir de finir cette petite série de vidéos Lynx. Ici en Normandie, comme ça, avec un magnifique eagle. Bon, ça ne fera pas oublier que j'en ai quand même sacrément chié aujourd'hui. Ça a été compliqué. Parcours difficile. J'ai une petite pointe de frustration parce que je pense que c'est un parcours en temps normal qui doit être juste magique. Donc c'est cool, en plus je suis content. Je crois pas qu'il y avait de vlog à Goncoutainville, je crois pas en avoir vu. Donc bah écoutez, voilà, ce sera fait. Maintenant on va aller vérifier quelle heure il est là. Putain, j'espère que le bar est ouvert, j'ai une soif. On va aller boire un coup, tranquille. Et puis écoutez les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais voir si j'arrive encore financièrement, parce que là ça fait déjà 3 parcours en une semaine, Greenfield plein pot ou presque. Même si j'ai chopé à chaque fois les départs tardifs, bon ça fait quand même, avec la voiturette, ça fait à chaque fois des petits billets de 80 balles. Il faut que je garde un peu de choucha pour cette fin de mois importante avec la YouTuber Cup qui arrive. En plus, je devrais normalement, petite cerise sur le gâteau, avant de repartir de Paris, aller jouer à Fontainebleau.
Donc, avec l'ami Vince, évidemment. Donc, il faut garder un peu de sous. Voilà, il faut pas être trop gourmand. Allez, je vais laisser la place, même s'ils sont pas encore derrière moi. Les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et puis, je vous laisse avec ces belles couleurs sur ce magnifique green qui a vu le premier Eagle en partie de la team Lulu. Allez, la bise, les amis. Ciao.